m'amener dans la région, c'est la beauté des paysages. Pour entrer dedans, vous avez l'impression d'être comme dans une cathédrale avec le plafond doré. Il y a de la vigne, il y a de l'agriculture à petite échelle, fait que c'est intéressant. Le paysage, il se maintient. I could live anywhere in the world. I choose to live here because of the people and because of the surroundings. La meilleure idée que j'ai eue, c'est le village montagne. L'idée, c'était d'avoir un lien entre le village, la montagne, et que tout le monde qui reste là puisse partir de chez eux, sortir, prendre le sentier, puis on monte dans la montagne. Comme tous les territoires ici, t'as à peu près tout ouvert. C'était des champs. Les gens venaient dans l'Estrie parce que tout était ouvert. C'était magnifique. T'avais de l'horizon, t'avais de la vue. Fait que c'est une des choses, les gens se mettaient des résineux pour être privés, pour être intimes. On va créer des étangs. Les étangs, ben, au bout de quelques années, ben, on les oublie. La pompe elle casse. Il ne sert plus. Et puis là, ben, on se retrouve avec des maringouins, comme on n'avait jamais eu il y a 40 ans. C'est la vision banlieue qui a changé complètement le paysage. Ici, ben, comme dirait quelqu'un, il n'y a rien que changé. Là. C'est vrai. C'est toujours le même paysage depuis 1979, ou à peu près, parce qu'il n'y a pas de construction nouvelle. Il y en a un peu, mais très peu. Puis la forêt repousse aussi. Alors, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est peut-être que la forêt reprend ses droits, si on veut. Moi, je suis dans une zone particulière parce qu'il y a un fermier qui est à côté de chez moi. Alors, le champ continue d'être fauché. Et puis, ce qui fait que j'ai rien pour me cacher la vue. Puis, je peux voir les montagnes. Mais tant qu'il y a s'il n'y a plus de fermier, il n'y a plus de paysage. Parce que c'est ça qui fait les paysages ici dans la région. Ça a commencé avec le travail des premiers colons qui sont arrivés ici puis qui ont défriché pour faire vivre leur famille. Là, c'était des petites fermes de survie. Puis peu à peu, ben, ces fermes-là disparaissant, ben, c'est la forêt qui repousse. Là, c'est de trouver une façon, une occupation harmonieuse du territoire, des humains, des animaux, qu'on ne soit pas juste considérés comme les maîtres de la nature, là, puis qu'on puisse dynamiter n'importe où, faire des chemins qui ne finissent plus, pour avoir une maison sur le dessus de la montagne. Parce qu'on veut avoir une vue jusqu'à Montréal. Aujourd'hui, on va prendre Stagecoach, Sugar Hill, chemin Byers. On revient sur Stagecoach, on fait un petit bout de chemin sur Mont Echo, Turkey Hill, Haute-Claire, Grenier et Jackson pour revenir. Je pense que partout où on va, on a des beaux paysages, des beaux points de vue qui nous apparaissent, même si ça fait 18 ans qu'on vient ici.
on en découvre tout le temps. Parce que ça change. Des fois, on fait un sentier, on le fait dans une direction, puis là, deux, trois semaines après, on le fait dans une autre direction, puis là, on découvre des paysages qu'on n'a pas vus parce qu'on n'a pas le même point de vue. Quelqu'un qui veut venir se promener ici, il faut qu'il sache que c'est pas plat. Des petits bouts plats, il n'y en a pas beaucoup. Là. C'est, on monte et on descend, on monte, on descend, c'est très vallonneux. On ne peut pas s'imaginer que de se promener dans des sentiers, c'est des sentiers, c'est des routes de campagne là, qui sont comme ils étaient il y a 100 ans passés. Pour des amateurs de chevaux puis de voitures antiques puis tout le kit, c'est sûr que nous, c'est apprécié. Là. Moi, pour moi, là, me promener dans le bois, là, c'est retrouver mes racines par les racines. Comme j'étais depuis longtemps un amoureux des champignons, parce que c'est un monde fascinant, là, c'est un monde complètement à part, je regarde par terre, je regarde un peu autour, je regarde peu les paysages, je les regarde bien sûr, c'est inévitable. Là. Quand tu as un paysage devant toi, dans la région ici, là, il est toujours fantastique, il est toujours beau. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'intimité de ces paysages-là. Qu'est-ce qui pousse là-dedans? Je connais les arbres, je connais les plantes, je connais les oiseaux, je connais les champignons, bien sûr. Puis c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qui m'attire, c'est ça qui me nourrit, puis qui me fait vivre.